Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler de mon évolution dans mon désencombrement. J'ai enfin terminé de numériser les papiers, puis j'ai gardé ceux qui étaient importants que je ne pouvais pas me débarrasser. Donc, j'ai débarrassé 15 livres de papier que je suis allé faire broyer chez Bureau en gros. Ça coûte environ 1 $ le livre parce que je ne voulais pas justement laisser des papiers confidentiels dans les poubelles. Donc, j'ai terminé le tri des papiers. Il me reste 3 tiroirs dans mon classeur. Un pour les impôts, parce qu'il faut garder les rapports d'impôts pendant 10 ans. Plus les nouveaux papiers, je ramasse toute l'année pour les impôts. Un tiroir avec tous les papiers importants, comme les diplômes, certificats de naissance et autres papiers à garder. Puis l'autre tiroir, ben, c'est les papiers que je vais accumuler là toute l'année. Puis une fois par année, je vais les numériser, puis jeter ce qu'il y a à jeter. Donc ça, c'est mon système des 3 tiroirs. Tout le restant que je devais garder, mais que la version numérique était suffisante, j'ai tout numérisé. J'ai tout mis sur mes disques durs. Donc, pour les papiers, c'est terminé. Là, après, je vais commencer les photos. Ça, c'est vraiment une cause ouf. J'en ai vraiment des tonnes et des tonnes. Ça va être très long. La motivation manque un peu rendu là. Donc, il faut que je commence par brancher les appareils. J'ai aucune idée comment peut fonctionner le scan. Donc, je dois apprendre comment ça fonctionne, tout brancher. Puis bon, la prochaine étape, ça va être les photos, la tonne de photos. Ça, j'ai aucune idée du nombre de mois que ça va prendre pour passer à travers tout ça. Je pense que juste de tout brancher et d'apprendre comment ça fonctionne, je vais en avoir pour plusieurs heures. Bon, j'ai fait le ménage à mon ordinateur aussi pour faire de la place pour les photos. Donc, je vais probablement aller mettre sur le disque dur un album à la fois pour éviter d'avoir à recommencer s'il y a un problème. Puis une autre chose que j'ai remarqué, j'ai fait une vérification pour voir si tout avait bien copié sur le disque dur. J'ai remarqué que j'avais des fichiers qui n'avaient pas copié. Donc, quand je vais sur l'ordinateur, je vérifie, tu sais, avec le bouton de droite sur la souris, propriété des dossiers. Puis quand je vois que le nombre de gigs ne correspond pas, c'est clair que ça ne l'a pas copié. Donc, il va y avoir des dossiers que je vais devoir recopier sur mes disques durs qui n'ont pas suivi. Donc, ça, je vais le faire probablement lorsque je vais transférer mes premières photos. En même temps, je vais transférer les fichiers qui n'ont pas copié. Donc là, ça va être la grosse corvée. Puis en même temps, ben, de temps en temps, quand je vais être trop écœuré des photos, parce qu'il y a plusieurs mois là-dedans, il y a de quoi se décourager, ben, je vais faire une tournée des objets que j'ai. Parce que comme j'avais dit dans une autre vidéo, j'ai tout dépaqueté mes boîtes, puis j'ai tout mis les souvenirs dans le salon. Parce que les souvenirs, c'est ce que je veux numériser. Donc éventuellement, ça va partir. Donc, de temps en temps, je vais faire la tournée des armoires et des garde-robes pour voir s'il n'y aurait pas d'autres objets à éliminer. Donc, entre deux écœurants types de photos, je vais faire encore du tri. Donc, c'est un petit peu mon avancement en ce moment. Bon, la vidéo n'est pas très longue parce que je suis encore dans la numérisation, donc ça ne bouge pas tellement. Donc, ça va être à suivre.